Salut tout le monde. Là, je sais ce que vous dites, hein. Encore une annonce de merde. Ah bah oui, hein, effectivement. Mais là, c'est pour annoncer quelque chose de beau, de vrai et de très très lourd. Comme vous le savez déjà, la Comics League a pour but de rassembler les fans de comics de tout horizon dans le but de partager. On s'est dit que de toute façon, plus on est de dingue, plus on pourra se marrer, plus on aura de vidéos, d'avis différents et de collaborations à vous proposer. Ça, c'est sûr. Et du coup, on a rencontré deux nouvelles personnes vraiment cool qu'on aimerait vous faire découvrir. Allez Zoé, si t'es partante, je te laisse présenter ton projet. Merci Gordon. Donc moi c'est Zoé, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Carnets Vidéo de Zoé, sur laquelle j'ai commencé un guide en plusieurs épisodes qui s'appelle The Comics Project et qui se veut un petit peu pouvoir prendre par la main et guider les personnes qui ont envie de commencer à lire des comics et qui se sentent un petit peu perdues et un petit peu intimidées. Voilà. À côté de ça, j'espère pouvoir aussi sortir des épisodes un peu hors série qui vont s'adresser un peu plus à des gens qui connaissent les comics et la bande dessinée, j'ai envie de dire. Mais bon, aussi aux débutants, et pour parler des thèmes un petit peu abordés à travers les comics et de ce qui, moi, me plaît à travers cet univers. Et je suis bien contente de rejoindre la ligue parce que it's dangerous to be alone, comme on dit, surtout sur les internets. Donc voilà, c'est très cool. Voilà, si ça vous intéresse un petit peu ce que je fais, vous pouvez faire un saut et aller jeter un œil à ma chaîne. Voilà. Cher compatriote breton, je te laisse présenter ta chaîne. Allez, c'est à toi, mec. Bonjour à tous, je suis Bryce Comics. Ah, mais c'est ça la Comics League! Et j'ai dit oui à ça, moi! Et sur ma chaîne, j'essaye de réfléchir aux thèmes abordés dans les comics, en faisant des parallèles avec d'autres œuvres de la pop culture. Je vous propose aussi, à travers une émission intitulée Ma rétine vous remercie, de parler des comics qui m'ont fait rêver, ou au contraire, cauchemarder. Sinon, je suis accompagné par une voix off particulièrement chiante. Mais va te faire foutre! Oui, je sais, je lis des comics dans mon appartement avec des lunettes de soleil, ça n'a aucun sens, mais je t'emmerde. Les deux petits nouveaux qui sont arrivés, on est bien contents de les accueillir, ça va promettre un beau petit flux de vidéos là sur nos chaînes respectives d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, la prochaine année. En attendant, on vous fait tous un bisou, ciao.